On commence par du Paris-Nice. La deuxième étape était organisée aujourd'hui pour la première fois à Rochefort en Yvelines, commune de 900 habitants. Les 170 coureurs encore présents sont partis sous la pluie pour un périple de 195 km pour rejoindre la commune d'Amilly près de Montargis. On écoute les réactions des spectateurs juste avant le départ. Je suis très contente qu'il y ait cette manifestation à Rochefort. Ça fait de l'animation, hein. C'est assez calme comme petit village, habituellement. Et du coup, vous avez vu quoi ce matin? Ah bah tout. C'est une route d'entraînement, nous, ici, donc vous pensez bien, on est chez nous. En plus, on a vu une magnifique étape hier, un parcours magnifique, puis une belle course, en plus. Vous voyez, comme quoi, des fois, pour faire des belles courses, il ne suffit pas d'avoir des grands boulevards et autres. Des petites routes, un peu de vallonné, un petit peu de virage, du vent et la pluie, puis ça y est. L'étape s'est terminée à 16h30 et c'est l'Italien Sonny Colbrelli qui s'est imposé au sprint sur cette deuxième étape. Arnaud Démare prend lui la troisième place et reste leader du classement.